Donc tu commences par, en fait, t'introduis par le show, le spectacle, machin, tout ce qui est fake, artificiel, et puis plus tu avances dans l'expo, plus il y a la dimension du territoire qui apparaît. Ouais. Et plus en fait, plus ça devient vraiment des éléments comme ça, de plus en plus durs. Voilà. Donc ça c'est beau. Ok. Bon courage. Ouais. Ciao. L'exposition se divise en trois parties. On arrive en fait sur le projet que j'ai construit à Philadelphie, avec une communauté qui monte à cheval, et j'ai décidé de faire un projet autour de ça. Donc on rentre par cette intervention dans le réel, enfin du moins dans un territoire. Et plus on avance dans l'exposition, dans la deuxième salle, on a un grand mur comme ça, tirage argentique et tirage sur capot de voiture, et certaines sculptures aussi. Et la troisième salle, c'est une autre vidéo, pour le coup, ce qui est diffusé sur un capot de voiture, et une autre sculpture qui est faite en crottin de cheval. J'avais envie de faire un projet là-bas à Philadelphie, avec une communauté qui monte à cheval. Ils font des tours de cheval quand ils vont dans les parcs et tout, tu vois. Ou bien, ils aiment bien aussi certains faire des courses de chevaux, donc ils achètent des chevaux pour faire des courses. C'est comme ça qu'est née l'idée de réaliser un concours de tuning de chevaux qu'on appelait Horse Day. Donc on a demandé à des artistes et des riders de travailler ensemble plus ou moins et de réaliser chacun des costumes liés à un cheval et à un rider, voilà. Et donc après, là, il y avait un concours, enfin très, très américain en soi, le projet un peu américanisé avec un concours, un jury, et puis voilà quoi. Je pense qu'il y a eu un quiproquo qui est aussi lisible dans l'exposition. Je pense que quand je suis parti aux États-Unis, j'avais cette idée-là, effectivement, que le cheval était quelque chose de très aristocratique, donc une dimension, il y a une dimension de façon politique au cheval, enfin, même dans la peinture, on peut le revoir, comment il a été peint, comment les rois se représentaient à cheval, donc c'est quand même une forme de noblesse. La symbolique du cheval est très différente, et je crois qu'en fait, il y a eu quiproquo là-dessus, enfin, pour ma part, et je crois que l'exposition traite aussi un peu de ça. J'ai commencé à les tirer sur des capots de voiture alors françaises ou européennes, et j'aimais bien cette idée qu'en fait il y ait mal compréhension, qu'il y ait des choses qui se croisent. Going to look pretty cool. Look, all around the horse. Right. What do you think? I'm good? Yeah, it's cool. Yeah. So before I do that, mm-hmm. I'm going to put some aluminum. Uh-huh. Aluminum around. Les cardinaux américains, moi, enfin, d'un point de vue musical, d'un point de vue de la représentation, c'est quelque chose qui est très présent dans ma culture. Et donc, et effectivement, en allant là-bas, je me suis confronté aussi à une réalité très américaine, en fait, à un contexte très américain. Et que les choses ne sont pas acquises malgré l'intérêt qu'on peut avoir sur ce qu'on a vu ou appris ou lu. Il y a la question effectivement de la frontière et de la séparation. C'est comment réussir à déplacer le centre de là où il est, de démultiplier les axes de vision et de visibilité. Et ça se fait au travers des différentes images que j'ai pu produire, par exemple là-bas, parce que d'un coup j'ai filmé avec ma propre caméra, j'ai refait des images avec une équipe de cinéma et j'ai réalisé un concours qui est filmé d'une autre manière. Donc il y a différents axes, et par exemple le diptyque qui est présenté à la galerie sont deux films qui font exactement la même durée avec des temporalités différentes. It don't make sense, because a competition. Everybody don't win. You feel me? If everybody wins, then what type of competition could it be? Man, that shit ain't right. It's gonna be like this. It should just. Petit à petit, on part d'un projet comme celui-ci, assez construit, assez tenu, enfin plus ou moins tenu, parce qu'il y a des moments qui sont, enfin on verra dans le film, qui sont très artificiels. Après, on tombe sur un mur qui, effectivement, qui pour le coup n'est pas lié au concours directement, qui reprend effectivement ces mêmes gens qui ont participé, qui ont été présents dans le film. Et en fait, ça fait une sorte de grand mur déconstruit avec des trous et des cassures. Et voilà, il y a une sorte de fragilité qui s'installe dans ces photos, et il y a aussi une dureté qu'on peut retrouver dans certaines images. Notamment, je pense à ce portrait d'un des riders qui est tenu par une sangle. Et ça a été très difficile aussi de leur proposer un concours de tuning de cheval où il fallait costumer le cheval, parce que ce n'était pas leur identité en soi. Et j'ai essayé moi aussi de proposer quelque chose et de m'y installer. Donc c'était de la négoce, c'est pour ça qu'aussi l'exposition s'appelle Hustling.
ne s'agit pas que de l'action du territoire et que eux, ce soit des hustlers, mais il s'agit plutôt de négoce, quoi. De comment on arrive à négocier, comment on arrive à dealer des choses avec des gens dans son sens et dans le leur, voilà. Souvent, ça passe aussi par l'argent quand tu es aux États-Unis. L'argent est un élément important. Par exemple, certaines scènes du film ont été tournées en payant les gens et d'autres non, mais la plupart, oui. Mais l'argent aussi, ce n'est pas la totalité de ce qui fait le territoire, mais c'est une valeur en tout cas importante, très importante là-bas. C'est intéressant à le voir et à le comprendre.